Bonjour à tous, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, évidemment. Oh, bizarre, ma souris apparaît sur des endroits un peu chelous. Voilà, ça a coupé mon intro, mais ma souris, elle est pas du tout ici à ce moment-là. C'est très bizarre, on s'en bat les couilles. Évidemment, on se retrouve pour l'épisode 24 de Pokémon Platine. Et regardez, n'oubliez pas ce qui se passe, c'est qu'on a Gigi Ratina qui est présent, il est de retour et on a viré Luxray, voilà, on perd un Pokémon, ça nous fait mal au cœur, on perd le louche ici quelque part, mais ce n'est que partie remise parce qu'en fait on va véritablement perdre qu'un seul Pokémon et c'est Jumpé, puisqu'il ne nous sert que de CS Slave, on va récupérer Luxray évidemment, donc nos paniscos comme on dit en allemand évidemment. Alors, je crois qu'on doit aller chercher la dernière arène, si je ne m'abuse, depuis la semaine dernière. Donc, nous sommes à Litorella, évidemment. D'ailleurs, la dernière arène, là, c'est factuel, mais où est censée être la dernière arène? Elle est Cable, ouais, je sais, tout le monde veut du Elle est Cable. Je me dis que la dernière arène, elle est à Rivamar, évidemment. Donc, Rivamar, si Rivamar... Non, j'allais faire une vanne, mais elle marche pas. Elle marche pas. Non, on s'arrête ici avant d'être catastrophique. Rivamar via Verchamp, je pense qu'on peut aller chercher tout ça. Ouais, tout à droite. Let's go, les gars! Bon, comment ils vont, le chat, sinon? Parce que là, on discutait de tout doré. Comment ils vont sur YouTube, là, cette période? Hein? J'ai envie de vous... j'ai envie de jauger la période. On est toujours en pleine pandémie, évidemment. À qui je la prends, j'ai envie de dire. Mais bon... en cette période, tout va bien pour vous? Très bien. Est-ce que on vit avec cette maladie? On vit avec cette horreur qu'est le Covid au final? Est-ce que c'est pas... C'est triste, mais on s'en sort. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le Covid? Tiens, c'est une vraie question, tiens, maintenant. Qui a eu le... Il y a des gens parmi vous qui ont eu le Covid, hein, qui ont été COVIDed ou pas du tout? Genre dans le chat ou même sur YouTube. Et qui au final, ça s'est bien passé. Ouais, je suis en plein Covid. Ah ouais, excellent, d'accord. J'adore les bites. Ouais, bah, bon courage à ceux qui sont en plein Covid, évidemment. Ça, c'est une évidence. Mais tiens, fais un petit sondage. Mais essayez de répondre sérieusement, Suzy. Fais un petit sondage pour voir les gens sur le live, si vous êtes sur le live actuellement ou dans le chat. Avez-vous eu une ou plusieurs fois le Covid? Peu importe les symptômes, que vous ayez été vraiment détruit par le Covid ou sans symptômes au final. Hop, asymptomatique, je cherchais le mot, pour voir un petit peu la tranche de viewers qui a pu peut-être avoir le Covid. Moi, j'ai mes parents qui ont eu le Covid, voilà, j'ai un peu peur, je vais pas vous mentir. Après, mes parents sont jeunes, donc ça va, mes parents ont 22 ans, donc comme ils sont en bonne santé, ça le fait. Vraiment, je kifferais qu'il y ait un mec qui était très premier degré, en mode, attends, quoi, 22 ans, ses parents sont vachement jeunes. Très très jeune. Non, mes parents sont jeunes, blague à part. Ils ont... ma mère est de 65, mon père est de 69. Ça s'invente pas. Un tueur. attends, je suis où? Faut que je remonte. Et une tout droite, ok. What the fuck, bro? Grave jeune, 22 ans, c'est chaud. Ouais, c'est vrai. On dit la Covid. Non, non, non. Ici, on dit le Covid. Voilà, faut le savoir. J'en ai rien à foutre. Personne dit la Covid. Gros, même à la télé, ils arrivent même pas à le dire, la Covid. Ils ont du mal, les mecs. Ils sont assez chauds. Ouais. La Covid, on n'aime pas. On n'est pas fan. Ok, donc là, on est là. On a du pêcheur. Est-ce que je suis déjà... Ah non, c'est ce que j'allais dire. Je suis jamais passé par là, en fait. Tu mets genre le Covid. Ouais, je préfère. Alors, voyons voir. Avez-vous eu le Covid au moins une fois? Oui, non. Alors, on est à 85% de non, hein, ce qui est rassurant. Tout de même, on va pas se mentir. Alors, une petite... qu'est-ce qu'on lui met? Un petit Dracogriffe, tout simplement. J'ai 21, je suis ton beau-père. Bah, j'étais pas au courant. Merci de me le rappeler aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Ah, c'est vraiment une période de merde. Moi, du coup, je disais, mes parents ont eu le Covid, j'ai un peu peur et tout. Je disais, putain, ça va. Et en fait, ma mère, c'est parce qu'elle travaille maison de retraite. Et mon père, bah du coup, bah en fait, parce qu'en fait, si vous voulez, mon père et ma mère, bah, comme c'est mes parents, en fait, ils vivent ensemble. Du coup, elle lui a refilé. Et mon père, il a, je dis, mais ça, c'est bien passé, il a rien eu d'insane, il m'a dit. En gros, mon daron, il a eu, comment ça s'appelle, oh, l'intimidation. Il a eu,
genre en gros coup de pompe le soir, tu vois, il était un peu blanc et tout, ma mère lui a donné des vitamines, un Doliprane, le lendemain il avait plus rien, je t'en vois, trop fort, injouable. Sans mon daron, j'ai jamais vu malade, c'est un truc de fou. Je pense, de mémoire d'homme, je crois qu'il a été malade 3 fois dans ma vie. Aucune vanne. Oui, elle lui a donné des vitamines, c'est même pas une blague. Putain, Risotto Show qui me raid directement. Merci, Rizzo. Quel frérot. Non, mon père est européen pur FR. Hein. Mon père est pur FR, c'est ma mère qui est algérienne. Du coup, ça n'est pas rentré en compte. Le sang algérien n'est pas rentré en compte. C'est le son FR là qui a marché. Merci mon Rizzo. Merci Rizzo. J'espère que t'as passé un bon live. Il a fait quoi le Rizzo ici? Est-ce qu'il vous a montré encore des superbes scènes? Est-ce qu'il a joué à Mario Kart pour montrer son level extraordinaire en moto inter? Parce que c'est un vrai joueur Yoshimoto, faut le savoir hein, ce mec là. Il va apprendre quoi Manu là? Oh siphon. Font les petites marionnettes. Est-ce que ça vaut le coup là siphon? Ou c'est totalement à chier? Ou c'est totalement canned? Canné hein. C'est canné. Allez, on s'en va. C'est... Allez, on abandonne Siphon, les petites marionnettes. Est-ce qu'on change un peu de Pokémon? Tiens, mettons un peu Gigi Ratina là pour voir ce qu'il nous donne. Je suis sur une barre de KG. Là, j'étais dans la Pampa. Ah ouais? T'étais dans la Pampa? Ah, mais c'est vrai, Rizzo, que t'es en vacances, toi. Mais vous savez pas, mais Rizzo, le vacancier. T'es pas chez toi, Rizzo, là? Tu fais quoi? Tu fais quoi de beau, là, Rizzo? T'es au contact du public? Bah non, tu peux pas. Parce qu'il y a le Covid, enfin. Ça s'arrête là. C'est tout! C'est un scandale! C'est quoi ces dégâts, Gigi Ratina? Je suis très déçu, là, des dégâts de Gigi Ratina. On sait! Un petit vent mauvais. Pourquoi tu transformes pas Gigi Ratina? Tu transformes pas quoi? Mais c'est nul! Mais il pue la merde! Non les gars par contre mais je suis abattu. C'est éclaté au sol. Pourtant ça stab. Ah l'orbe oui que vous m'aviez parlé. Bah on peut pas l'avoir de suite. Ça sera plus tard les gars. Ok ouais, c'est pour changer de forme. Ça je le savais, j'étais au courant. Et je t'ai dit il est finito cette prod. Putain t'avais raison. J'ai trop le seum. Je suis abattu. Cette info, si tu souhaites défoncer des fions avec ton Gigi Ratina, tu as un donneur de capacité sur la route 212. Ah, tu penses que je peux aller chercher d'autres capacités sur la route 212? Je sais, on y est allé parce que, justement, pour Manu, on avait fait une dinguerie, on n'avait pas pris Aqua Jet. Et on allait le remettre à niveau, donc ça peut être cool, quoi. Je suis allé voir les viewers de le live. Ils vivent en autarcie depuis 11 mois. Ils ont fait leur propre... Écoute, ils ont créé leur propre état. Les viewers de le live, c'est le Vatican. Non, je crois qu'il y en a vu, il y a même trop de public, je pense, au Vatican pour ça. Bon, allez. Le pêcheur Jordi, dur d'être un pêcheur, évidemment. Si tu as la rêve, c'est que tu es une bonne personne. Tu as vu BFM... Ah ouais, on peut en parler de ça, un peu, là. 5 minutes BFM sur Twitch. Pourquoi? Parce que, bon, je vais pas regarder, je regarde vite fait et tout. Moi, la meuf, elle m'a fait de la peine, Miskina. Elle s'est fait terminer par le chat. C'est vraiment des cons, les gens, tu vois. Mais, en fait, je vais revenir sur un autre truc. C'est que, il y a le compte BFM qui a marqué « Vous étiez plus de 22 000, machin, que ça. » Et ils ont mis un screen dessus. Il y a le N-word. Il y a un mec qui dit « Go jouer à Apex. » Enfin, il y a rien qui va. Et gros, ça m'a... J'étais mort de rire, tu vois. J'étais en mode « Putain, mais les gens sont des forceurs. » Ça m'a fait rire, voilà. C'est triste, mais j'allais pas pleurer, en fait. Et gros, il y a vraiment... j'ai pas cité. Il y a vraiment des gens qui étaient en mode ah ben bravo, voilà des streamers partenaires qui comme ça font ça. Je suis très très déçu. J'ai envie de vous dire un truc aujourd'hui. Niquez vos mères. Moi voilà, je rigole à ce que je veux, sale fils de pute. Ça m'a fait rire, c'est tout. Voilà, j'ai partagé. Il y a un moment quand ça me faire chier là tous là, à ouvrir vos grandes gorges sur Twitter. Je commence à me faire pareil. Je commence à me faire arrobas. Je regarde les comptes. Je vois chi/r dans la bio. Bon, je mute moi hein, de suite là. Il y a pas de. On n'est pas en train. Il y a pas la personne parce que c'est la personne. C'est pas où il situe. La personne, il commence à il me suit même pas. Commence à ouvrir sa gorge et tout. Nique ta mère. Ouais, vraiment. J'en ai rien à foutre de ta vie. Donc, me casse pas les couilles. Bon, moi, c'est mute. Hein. Les gens, ils savent pas, mais c'est mute. C'est-à-dire que souvent, quand je vais voir, tu sais, tweet, retweet, cité, je vais voir. Il y a marqué, je sais pas. 13 retweets cités, des fois j'en vois genre 6 parce que les autres je me dis bon
c'est que je les ai déjà mutes. Donc ça me permet de faire un petit peu le tri. Voilà. Mais c'est hallucinant là, cette époque extraordinaire où dès que tu mets un truc juste qui t'a... J'ai vu ça, j'ai dit putain, franchement le live était trop dur pour la pauvre journaliste qui s'est fait jeter en pâture par BFM, ces enculés, sur l'enfer du chat, les gens qui étaient... Bien sûr, le chat c'était un enfer quoi, c'était hallucinant. Mais moi ce qui m'a fait rire c'est le tweet de BFM, bravo quoi, on retient quoi, vous étiez 22 000, génial, bravo. On n'a pas un mot pour la pauvre gonzesse qui s'est fait terminer. Et voilà, et du coup j'étais en mode, oh là là. Le screen, ils sont allés le chercher loin parce que vu la dinguerie que c'était. Et voilà, et tu mets, oui c'est ça, le gros nez, le gros pif à l'envers. Donc voilà. Et puis, ça me rend fou quoi. Juste j'étais en mode, ah ouais, ils ont dû chercher loin le screen, ça m'extermine, ça me fait rire quoi, voilà. Non, t'as pas le droit de rigoler. C'est interdit maintenant, tu peux pas rigoler. Là, faut vraiment, à chaque fois que vous voulez rire maintenant, sachez qu'il faut vraiment réfléchir à tout quoi, tous les tenants et aboutissants. Ça me gonfle, moi vraiment je vous dis ça me gonfle. J'ai envie de rire d'un truc, je ris d'un truc, t'es pas content, bah va te faire foutre en fait, je te parle pas à toi. Je parle à ma commu, je parle à mes frères quoi, putain, trop chiant. Ouais, RT sur Twitch aussi j'ai vu, ça s'est bien passé, hein. Ça s'est très bien passé. Donc voilà. Faut changer la forme de Giratina, mais je peux pas changer la forme de Giratina, faut pas l'orbe. Vous m'avez dit qu'il fallait, il fallait l'orbe ou je sais pas quoi, donc voilà. Tu joues à la manette? Ouais, je joue à la manette avec une manette Xbox 3.6 classique. Ouais, c'est après, voilà, c'est l'arme. Ouais, je sais, pas de soucis. Donc voilà. Ouais, il faut l'arme, ne vous inquiétez pas, on ira la chercher plus tard. Mais bref, voilà, c'était petit point là, je voulais dire, je fais le gars et tout, on fait la vanne, mais en vrai, moi je trouve ça chiant quoi. En plus, je vais même pas vous sortir le classico, c'était mieux avant, maintenant on peut plus rire de tout, machin. Oui, non, ça c'est vraiment les débats sans fin. Mais c'est juste, là, moi j'en ai vraiment marre de cette époque où dès que tu mets quelque chose, gros, sur Twitter, t'as un tribunal, tu vois, t'as des gens qui ont des cheveux de toutes les couleurs qui se réunissent entre eux, là, et ils décident de qui va bien, va où, antisémite, t'es machin, ça c'est pas politiquement correct, voilà. La liberté d'expression s'arrête à... Alors, en plus, c'est totalement con ce qu'ils nous racontent comme conneries à longueur de journée, ces types-là. Je veux dire... Ils me font chier, quoi. Ah, je te jure, vraiment, la dictature de la bien-pensance... Le camp du bien. Littéralement, le camp du bien, quoi. Eux, c'est faux-fou. Il n'y a que eux qui détiennent la vérité véritable, tu vois. Il y a tout ce qui est à côté, ils n'ont pas le droit. Ça n'existe pas, c'est interdit, quoi. Mec, fais chier, quoi. C'est bon, ouais. Vraiment, c'est dictature, gros. C'est la dictature. Ce qui dénoncent, ils le font eux-mêmes. Voilà. Mais gros, c'est no joke, hein. On fait la vanne avec Max et tout. Bon, il est de droite, machin. Ça fait rire, moi, j'en ai rien à foutre. Aucun souci avec ça, de faire des vannes et tout là-dessus. Je m'en branle, tu vois. Mais j'ai l'impression que le mot droite, c'est un gros mot, quoi, sur Twitter, frère. Je connais rien en politique. J'imagine que, de par ma vie... Et de par ce que je pense, peut-être j'imagine que je suis plus de droite que de gauche ou du milieu. J'en ai aucune idée, vraiment, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Mais j'ai l'impression qu'un mec qui, s'il est de droite, c'est interdit. Et si t'es de gauche, il faut qu'on dise que t'es une gauchiasse. Voilà. Y a des extrêmes partout, gros. Oh, vous nous emmerdez, les gars. Putain, vous voulez pas juste vous sortir 2-3 doigts dans le cul, là? Et kiffer, jouer à Pokémon, la vie est belle, on y va, non? Putain, c'est un truc de fou. Ah, je suis désolé, là, je suis pas drôle, là. Pas drôle du tout, là, sur mes paroles. Il fallait que ça sorte, un peu. J'en ai marre. On va appeler Kratos, il va remettre tout ça en place. Ah, Luxray. Oh, trop stylé son animation. J'avais jamais remarqué. Évidemment, puisque je joue pas de ce côté. Malheureusement, je vais l'exterminer. Mais voilà. Non, mais en fait, je dis ça parce que je repense à un autre truc, un mec qui mettait une commentaire, bon, que j'ai mute évidemment, et dans les réponses, puisqu'ils s'entre-sucent entre eux évidemment, qui disait venant de la part d'un mec qui a joué avec le Raptor, ça ne m'étonne pas quoi. Ouf. Vraiment, l'argument, j'étais bouche bée, enfin je suis en mode ah ouais, donc là, son argument, valide, totalement valide, j'ai rien pu faire.
Gros, je vais peut-être vous spoiler un peu la gueule, hein, mais moi j'ai plein de copains dans l'IRL parce qu'en fait, parce que là en fait ce qu'on fait c'est sur internet quoi, et les gens ils vivent trop un peu sur internet, faut vraiment se rappeler qu'il y a une vie en fait dans la réalité quoi. J'ai plein de potes IRL, on pense pas du tout la même chose et en fait on est quand même potes. C'est genre. Parce que tu peux être ami avec des gens qui ont des opinions différentes que toi, parce que ça s'appelle le monde en fait. C'est hallucinant. Non, non. Donc, si tu fais une partie de Mangus avec le Raptor, tu cautionnes ses propos. Nique ta mère. Vraiment, genre. Y a pas un mec là qui peut me soigner ou pas là, quelque part? J'ai la flemme de faire vol. J'ai envie de retourner en full. Non, c'est pas grave, on va voler. On va juste voler, les gars. On va juste fly un petit peu. Oui, le policier. Ah oui, le policier, vous avez raison. Oui, t'as raison. T'as raison. C'est vrai. Je savais bien qu'il y avait le gars. Merci, les gars, merci. Donc voilà, c'était le petit point un peu chiant de cette VOD. On va arrêter de parler de ça. C'était juste, vous connaissez mon truc. Sachez en tout cas que il faut, j'imagine, de tout pour faire un monde et que juste la vie est belle. Je pense qu'il y a des gens de droite qui jouent à Pokémon. Même il y a des gens de gauche, il y a des gens du milieu. Peut-être que même Marine Le Pen, imagine, en Scred, elle joue à Pokémon et elle kiffe, elle attend le remake. Et Mélenchon, peut-être que lui aussi. Et là, comment on fait, gros? Est-ce que Nintendo ne serait pas un petit peu fasciste? Je suis abattu! Oh, je peux pas jouer à ce jeu! C'est leur logique. Oh là là, je te jure. Les amis, qu'est-ce qu'on rigole. C'est que de la vanne ce soir. De la pure vanne. Ça va se régler en combat. Ah là là, sachez qu'en tout cas, les gars, moi, je vous kiffe. Je vous kiffe tous. Je vous suce un peu. Voilà, tout de suite, voilà. N'hésitez pas à sub. C'est le mec. N'hésitez pas à sub. Soyez de droite ou de gauche. Sub. Trop bien le sub. Tire 3. Alors, qui c'est celle-là? On va la laver. Ah, les amis. Elle me fait juste rire. Un petit coup de Navarron et ça repart sur de bonnes bases, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Lockpin. Plus spin que lock là. Mais non, attends, j'ai fait fuite. J'ai fait fuite. Séisme, ça dégage. Merci bien entendu pour le cinquième mois. Ici qui a été claqué, merci pour le prime également. Cinquième mois. À part ça, où est Piper? C'est vrai qu'on n'a pas eu de Piper. On va pas se mentir, ce qui est assez catastrophique. On n'a pas trouvé Piper. Il m'avait dit qu'on pouvait le trouver en plus, donc c'est assez catastrophique. D'ailleurs, j'avais pas remarqué les 500 bits de Roland tout à l'heure qui disait « Celui-ci, si tu cherches un autre let's play dans le futur et dans le thème de Pokémon, il y a les très bons donjons mystères qui sont des purs dingueries, qui sont des purs bangers. » En parlant de Pokémon, alors, donjons mystères, j'ai jamais fait. Ça peut, pourquoi pas, être un truc à tester, en effet. Oh, l'hypercute. Bon, la patate. Ça confuse, ça? Non. J'imagine qu'il y a une chance de confuse, vu l'animation, peut-être. Je sais pas. Mais, cela dit, en parlant de ça, est-ce que vous attendez Pokémon Unite? J'ai l'impression d'être un peu le seul hype. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais hype en effet par ce MOBA quoi. Je vous jure, le MOBA ça fait, c'est le style qui a été le plus sorti dans les jeux, surcoté, ça cassait les couilles et tout. Mais je vous jure qu'un MOBA avec le casting. D'accord, ok. Le casting de Pokémon, pour moi, se prête totalement à un MOBA. Et je suis assez... S'il faut, se racher, hein. Vraiment, je dis pas, juste, je suis très curieux d'y jouer, quoi. C'était la combien, la 65? Qu'est-ce que c'est, 65, du coup? Donc... Griffombre? Non, attends, c'est pas ça qui m'a donné. J'ai même pas vu. J'ai déjà oublié ce qu'il m'a donné. Je sais pas, c'était peut-être de la merde. Pas hype, mais à voir. Ouais, d'accord, ok. 56, pardon, merci. Pff, je suis con. Dégommage. Le lanceur envoie l'objet qu'il tient sur l'ennemi. La puissance et les effets dépendent de l'objet. C'est bien ça, c'est à chier. Vous lui faire tenir quoi? De la pure dingue. Oui, mais c'est sur mobile, quoi. Non, c'est sur mobile et sur Switch. Donc, ouais, c'est nul. Allez, c'est à chier. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je suis plus souvent agité la nuit. Ok, mec. Putain, fait chier, je pouvais faire un combat en duo et je l'ai pas fait. Abattu.
Tu aimes bien le côté chibi? On en a déjà parlé dans les précédentes VOD. Non, je suis pas fan du côté chibi, mais ça ne me tue pas le jeu non plus. Et en combat, ce sera très cool. Évidemment que je ferai le remake et on le refera au final. On fera cette version. Enfin, ce sera quand même un peu différent parce qu'il y aura sûrement des méga évolutions, etc. J'espère que ce sera un peu comme ce qui a été fait avec Rosa, quoi, tu vois. Donc voilà. Allez, Marin Lorenz. On l'a lavé. Désolé, Marin Lorenz. Désolé de t'avoir exterminé. C'est Diamant, Étincelant et Perle Scintillante, je crois, le remake. Ouais, des méga, les Z-Move. Z-Move, très stylé, Z-Move. Pas de méga, apparemment. Ah ouais. Non, c'est full copy, apparemment. Merde, dommage. Ah, si c'est que de la full copy, c'est vrai que ça me... Le mot dérangé est un peu fort, mais ça me frustrerait, quoi. J'espère au moins qu'il y aura des Pokémon d'autres générations. DEPS, ouais, Deps. Rosa, et Rosa, c'était Ruby Omega et Saphir Alpha. Et Deps, Diamant Étincelant, Perle Scintillante, c'est ça, ouais. Donc, à voir. Encore du man. Non, il va pas me donner la canne à pêche de fou furieux. Non, rien du tout. Donc là, c'est par où on venait tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a, là? Fan Club Pikachu, est-ce qu'on a quelque chose? Rosa, mon Pokémon préféré. Rosa, c'était ouf, hein. Vraiment, c'était de la... Pour moi, c'était de la dinguerie, quoi. Alors... Super. Donc là, vraiment, cette maison me sert à parler à un mec qui a une calvitie. Pas de bashing. Et qui me raconte ça, quoi. Un Remoraid géant. Ah. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire avec ça. On verra. Pas de bashing sur les calvoches. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont une calve dans le chat? Des mecs ou des meufs, évidemment. Tu attaques ta propre race, mon frère. Oh, la ref. Oh, la ref, ce screen de fou. Team Calvitie, bientôt. Toi, trop bien la calvitie, les gars. Vraiment, je trouve que c'est trop stylé. Moi, je pense que je suis le porte-étendard de la calvitie en France. Vraiment. Vraiment. Vous savez que ça me fait bizarre de me revoir avec des cheveux maintenant. Est-ce qu'on peut peut-être en parler quelques instants? C'est-à-dire que chez moi, je sais pas si vous avez ça. Moi, j'ai des Google Home Mini, d'accord? Et j'ai aussi un Google Home, le Nest, vous savez, avec le petit écran, pas le gros, le petit qui est dans ma cuisine, quoi. Et dessus, donc, ça prend, tu sais, toutes les photos qui est sur mon drive, etc. Et du coup, c'est vrai que moi, je vide jamais mes photos de mon drive, puisque je fais les photos en live, etc. Et je me revois avec des cheveux. Et ça me fait bizarre. Hein. Ça me fait bizarre. Je dis, c'est vrai que j'avais des cheveux comme ça. Voilà. Mais en fait, c'était une question d'habitude, ce que j'expliquais, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais les cheveux longs depuis très très longtemps. Et ça, en fait, je me voyais pas avec le crâne rasé, parce que tu sais, quand t'as une calve, tu te dis, tu peux pas faire. Il n'y a pas 50 000 solutions, c'est soit tu te fais des implants, ou j'avais la flemme de ce que je vous disais, quoi. J'ai pas envie de payer pour avoir des cheveux, c'est que des cheveux, je m'en bats les couilles, je suis pas crevé, quoi. Mais j'étais en mode, si vraiment un jour je dois changer, bah je peux que me raser la tête. Et quand t'as eu toute ta vie, entre guillemets, moi depuis le lycée j'avais les cheveux longs, donc écoute, ça faisait depuis vraiment en legit, hein, depuis 2007, quoi, que j'avais pas coupé mes cheveux. Donc tu sais, t'as fait plus d'une dizaine d'années sans te couper les cheveux. Petite calve, non. Non à 86% quand même. Ou alors peut-être des gens qui se mentent. Mais voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui préféraient se faire des implants, qui pourraient pas être chauves, tu vois. Moi je m'en fous, je lui dis, moi ça m'a jamais dérangé. Enfin si, ça me faisait chier de perdre mes cheveux, je pense. Comme tout le monde, ah, oh, fait chier, je préférais avoir des cheveux, c'est évident. Mais j'en suis pas mort. En plus, bon, c'est pas du tout un truc que je cachais, tout le monde savait que j'avais une calve, quoi. Mais tout le monde ne savait pas à quoi elle ressemblait, c'est ça la magie du truc. Donc voilà. Ah, exactement. Exactement. Et donc, ouais, c'était pendant longtemps, c'était ça, je t'en... Mais en plus, j'ai déjà eu des discussions plein de fois avec ma femme qui me disait « Mais t'as pas envie de raser maintenant ?» et tout ça. Et je dis « Bah écoute... » Je me souviens, en plus, c'est très drôle parce que le jour où il y a eu l'accident... Peut-être, allez, 2 semaines avant, j'étais à Disneyland avec ma femme et je me souviens, on fait l'attraction Blanche-Neige, vous savez, qui est toute canée d'ailleurs. Et puis on est en train de discuter ça avec ma femme à ce moment-là. On est en train de discuter de ça en mode, elle me dit, ouais, est-ce que tu t'envisages de raser et tout machin, et je lui dis, oui.
Je dis, ouais, là, franchement, je pense que là, on pourrait, pourrait raser, quoi. Je m'en fous un peu. Et on avait discuté de ça. Et vraiment, je pense que c'est une ou deux semaines après, il se passe ça chez Domingo. C'est incroyable. Je veux dire, c'est le destin, quelque part, tu vois, qui nous a une argent là-dessus. Et quel plus beau geste, je pense, de ma part, sans vouloir me jeter des fleurs, que de mettre à profit ma calvitie pour la bonne cause, quoi. Pour les droits de l'homme. Cette calvitie a quand même monté une cagnotte de 270 000 balles sur ce live, ok. Donc voilà, j'ai quand même eu la calvitie la plus... Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai peut-être la calvitie la plus chère de France. Hein. C'est même pas une vanne. Hein. Aucune vanne. Donc voilà. Et quelque part, c'est mieux, parce que maintenant, je peux enlever mon bonnet en live, tu vois. Parce qu'avant, ce que j'expliquais, c'est pareil. Le jeudi, il se passe ce truc-là. Le lundi, je suis dans le matin et je dis... Ouais, j'ai une cave de fou, mais j'ai pas envie de la montrer parce que sinon les gens vont spammer avec le screen et tout. Voilà, tu vois. Et il se passe ça. Vraiment, c'était toute une de dinguerie en dinguerie comme ça qui s'est passé. C'était ouf, quoi. Ah, je te jure. Yo, collègue dresseur, tes Pokémon ont beau être enfermés dans leur Pokéball, je peux sentir la force d'ici. Excuse-moi, je me suis pas présenté. Je suis Adrien, membre du conseil 4 de la Ligue Pokémon. Enlève, bordel. Non, mais moi j'aime bien. C'est ma marque de fabrique, le bonnet. C'est ce que je disais. Que j'ai des cheveux longs ou pas, j'ai toujours eu un bonnet, et j'avais un bonnet pourquoi ? Ce que j'expliquais à la base, c'est pour me tenir les cheveux, à la base, parce que j'aime pas les casquettes et tout ça machin, et comme j'avais les cheveux longs, c'est pour me tenir les cheveux, je voulais pas m'attacher les cheveux, ça me faisait chier, tu vois, voilà, c'était juste pour ça, et depuis j'ai gardé ce truc là, et je suis bien, mais dans le récap par exemple, j'enlève le bonnet quand ça m'emmerde et tout ça, là c'est l'habitude. Et en vrai pour le casque, c'est un vrai truc qui peut vous paraître con, mais aussi j'ai le bonnet parce que là mon casque, quand j'ai pas quand je suis pas en live et tout, je suis en train de faire des trucs, j'ai mon casque sur la tête et gros j'ai une marque sur le crâne, frère, après ça ressemble à rien. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Adrien? C'est à propos du champion de cette arène. Il a totalement perdu goût au combat, il est en manque de bons dresseurs à affronter, il s'ennuie tellement qu'il passe tout son temps à retaper l'arène. Sans parler de la grande coupure de courant qui n'a rien arrangé. Tu commences à comprendre où je veux en venir, je veux que tu lui donnes l'occasion de participer à un combat spectaculaire et passionnant qui pourrait lui redonner le goût. Je compte sur toi l'artiste. Salut mon pote. Bah merci, on va faire ça gros, pas de soucis. En ça t'es beau, merci les gars, merci du soot. Ah j'aime bien maintenant. En vrai C'est quand même des plus gros glow-up de ma vie, hein, ça. En ça, tout ça. Vraiment, chauve. Même moi, je suis en mode, putain, j'ai la chance d'avoir un crâne qui est top tier, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et maintenant, surtout, grâce à ça, j'ai pu créer la légende Jijou, alors qu'avant, on n'aurait pas eu. Donc là, ça marche bien. Alors, regarde, lui, par exemple, cette calve de fou, là. Je rêvais de devenir champion d'arène à une époque. Ce rêve ne s'est jamais réalisé, mais il m'a amené à vivre pendant très longtemps auprès des Pokémon. C'était le bon vieux temps, évidemment. Tu veux écouter mon solo de guitare ou tu préfères te battre? Ouais. Ouais, bah ok. Ouf. Putain, tu m'as créé, c'est beau. Quelque part, c'est vrai que c'est beau. Melocric. Ah, le classico Melocric. Ah c'est ça, j'y joue, j'avais pas la ref. Bah ouais. Bah vous avez une émote hein, d'ailleurs dans le chat pour Zinedine Zidane. Enfin, c'est moi mais en Zidane quoi. C'est j'y joue au lieu d'être Zizou, j'y joue. Trop fort. Ce n'est pas très efficace, on le rappelle hein. Failli mourir. Petit coup de bourdon. Ah bah dis donc le bourdon. Blague pas celui-ci. Regardez, Zidane! Zidane, directement dans le chat. Ça me fume, quoi. Je me régale, les gars. Merci pour les subs, resubs, les sub gift évidemment, hein, pendant ce let's play très chill ici, où on monte Manu qui va passer 41, là, et Joseph qu'on a massacré, évidemment, le guitariste. J'avoue, le séisme dans le centre Pokémon, le truc horrible, normalement. T'es l'infirmière Joël. Oh, arrêtez, arrêtez! Ah là 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 là. Je suis un guitariste comblé, bah vas-y, pas de soucis, mec. Et le Joker, là, il veut se battre aussi? Moi, j'ai cette badge, ouais. Et lui, il veut pas se battre. Ok. On va, apparemment, il y a eu la coupure de courant, il va falloir remettre d'électricité, je pense. Tous les soirs, j'y joue, je te jure, vraiment, ce phénomène de fou furieux. J'y joue.
Zinedine. Oh, Zinedine. Oh, pas ça. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. La musique est trop bien de Rivamar. J'espère qu'elle est dans votre top OST. Donc ça, c'est les panneaux solaires sur lesquels on marche. Oh, Zinedine. Elle est... Ah ouais, vraiment, elle est trop bien. L'OST de Rivamar est trop stylé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rocher Pokémon, site historique, très bien. Je vois qu'on a pas mal de petites choses. Hein. Je fais un peu le tour. Il y a le phare. Petite pierre foudre qui est récupérée. Alors, c'est un gros bangers. Un Frimapic aussi. Mais après, globalement, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Je trouve que les OST de cette version Pokémon sont très très réussis, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Hey, mais ce truc cool qui brille à ton poignet. Mais oui, c'est ça, c'est une Pokémontre. Et le dernier modèle avec ça. J'ai eu l'accord de la Pokémontre SA pour développer des logiciels Pokémontre. Mais tu es un dresseur, non? Tu peux me rendre un service? Tu as bien des Pokémon de différentes natures, je peux les voir? Bah ouais. Un Pokémon sérieux. Est-ce que j'ai un Pokémon qui est de nature sérieuse ici? Resume. Alors, où sont la nature? Bizarre de nature, prudent, assuré, timide, mauvais, naïf. Eh bien, c'est non. Dommage. Excusez-moi, je kiffe un peu. Je kiffe un peu. Allez, on repart. Je sais pas ce qu'il nous donne. Est-ce que c'est un truc intéressant ou pas? Ou ça vaut le coup que je perde du temps dessus ou pas? Jumpé, faible et naïf, le pauvre. Ben. Gros, ben, ça s'invente pas, encore une fois. Ça ne s'invente pas, mesdames et messieurs. Ok. Ah, Elio, il est de Rivamar. Ah, c'est... Bah, tu vois, regarde, Elio, c'est typical. Les filles aiment bien mon côté mystérieux. Elio, c'était vraiment le gars qui restait de côté, c'est vrai. La parodie qu'on en faisait, quoi. Il murmurait des mots japonais avec sa capuche. Okamari no Suzoku. Sur le teko. Je me demande ce qu'il est devenu, bah une merde. Un bolos. Maison de Claudie. Ok. Ah, oh, pour des rubans. Pas envie de perdre mon temps. On va pas se mentir. Donc, lui, il est là. Ok, bon, j'imagine qu'il doit être au phare ou... quelque part dans... Quelque part par là. Donc attends, donc là, là on a quoi? Marché. Ok, donc là on a le centre. Est-ce qu'on a quand même 2-3 trucs à acheter? On va aller voir. Alors, hyperbole, on en a combien? On a utilisé quelques... Oh, j'en ai 36. Ah oui, mais je me souviens, j'avais été trop chaud, gros. Mais évidemment, Gigi Ratina, on l'a capturé tellement facilement. J'ai oublié à quel point j'étais bon sur le jeu. Je suis très très fort. Vive moi. Il m'en reste 12. On va monter à 15. On va prendre quelques petits trucs. Il nous vendrait pas du rappel celui-ci? Un rappel max, ça n'aura pas. Un rappel, j'en ai quelques-uns encore. Oh non, j'en ai plus. Ouais. On est good. Mytho? Comment ça, Mytho? C'est sérieux? J'avais été assez insane, on va pas se mentir. Et potion max. Est-ce que je m'en mettrai pas quelques-uns de côté? Ça va me coûter 27 000. J'ai vraiment de la thune. Je vais m'en prendre un peu. Hyper pots, j'en ai combien? 9. Je m'en prends 11 pour être à 20 aussi. Il est temps de dépenser, les gars. Et on va aller au marché pour voir. Ouais, je vais au marché. Ça a l'air d'être un pur banger. Ça, c'est le début, j'aime bien. Je sais pas, ça me fait penser à une musique, le début en mode... Après là, ça change totalement, mais le début en mode... Ah, ça me... Je l'ai sur la langue. Enfin, sur le bout de la langue. Je l'ai sur la langue, j'ai la musique sur la langue. Oh, ton Kerchakrok, ton Pokémon doit fournir plus d'efforts. Parle mieux, par contre. Quand il aura vraiment fait son mieux, je lui donnerai une belle récompense. D'accord, est-ce que s'il change de Pokémon, il y a un pur banger ou pas du tout? Quoi? Oh, je suis halluciné. Même Maxildan. J'imagine que ça joue à quoi? Au bonheur? Un truc comme ça?
Ouais, d'accord. Niveau 100. Ah non, c'est niveau 100. Non. Ouais, c'est le bonheur. C'est le bonheur, d'accord. Ah, les EV. Ils font un bonheur énorme. Vous avez quelques minutes, je vous assure que vous ne regretterez pas. Bienvenue. Ok. Alors, saut qui libère de gros cœurs noirs. À quoi ça sert tout ça? Saut qui libère une note de musique jaune. Oh, des étoiles. Les étoiles. On va rendre hommage à étoiles. Je sais pas à quoi ça sert, mais... c'est le fameux truc qu'on m'a spoil tout à l'heure pour les Pokéballs. D'accord. Ah, c'est ce qu'on m'a spoil tout à l'heure. D'ailleurs, je sais pas s'il est toujours là. T'es toujours là, Thunder? Thunder Damon? Are you here, my friends? Il s'était pris un Théo de 600 secondes. Le pauvre. Je pense qu'il a divagué. Spoilo, no. Oh putain, custom les Pokéballs, ouais, c'est ça. Il me l'a dit avant même qu'on commence le bordel, et du coup, il s'est fait Théo, pauvrette. Il a pris sa part. Non, j'ai toujours pas récupéré les Pokémon de la pension. Ma chérie, ma réputée pour son choix de saut. Très bien. Et ici, ça dit quoi? Ouais, le square wifi, évidemment. Ok, très bien. Donc là, on a rien de fou. Parfait. Par contre, du coup, où c'est que je vais pouvoir custom ça? That is the questions. Ah, ça a l'air d'être là. Non, c'est quoi? Tu vas sous terre de temps en temps? Non, ça fait un moment. C'est vrai qu'il faudra qu'on se refasse un épisode souterrain. Ok, non, c'est pas l'air d'être là. Ah, c'est sur le PC? Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Oui, je lui ai parlé tout à l'heure. Attendez, mais je vais aller voir alors. On va voir. PC Jiraya. Capsule Ball. Ah! Choisissez une capsule. Ok, modifié. Ah, faut que je fasse ça au stylet. Si je prends des. Ok. Non, c'est mieux que je fasse ça. Attends, je vais faire ça. Mais ça sert à quoi si je fais ça? C'est juste la Pokéball, elle va ressembler à ça, quoi. Ah, en bas à gauche. Ah, d'accord. Ah, mais c'est trop stylé. Si tu mets de tout. Vraiment, tu mets de la pure dingue, quoi. Dans tous les sens. Mec, il y a vraiment trop de trucs, quoi. Très bien, très bien. Ok. Ok, et si j'en mets deux, est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Voilà. Ah oui, ça en met beaucoup plus, ok. Ah, c'est un spectacle. C'est vraiment Zavatar. Ok. Et en fait, la Pokéball, elle est en fonction de quoi? C'est pour tous les Pokémon ou pas? Donc ça, on va voir les nuages là. Ok. En vrai, quand il est un peu énervé... Ah, c'est pour tout? Non, c'est pour un seul, d'accord. Après, tu choisis, ok. Ah, j'aime bien, hein, franchement, j'aime bien. Oh, il y a des notes de musique et tout. Mais attends, mais c'est hallucinant. Un peu de musique. D'accord. Putain, là. Je suis en train de perdre mon temps sur une custom de Pokéball. Mais par contre, peu importe où je le mets, on les voit pas, ces trucs. On s'en bat les couilles, en fait. On peut les mettre n'importe où. Sur la Pokéball, ouais. Tu vois, il y a rien dessus, hein. Ça sert à quoi? Le positionnement sert à quelque chose? Si je les mets en bas, ça va sortir par le bas? Si je les mets là, par exemple, ça va faire... D'accord. Je,
comment ils partent. D'accord, ok. Là, si je fais ça, il va y avoir de la musique. Ah, ouais, ok. Exact. Très bien. Je capte un peu le délire. Si je le mets en haut, ça va partir en haut. Ok. Enfin, ça part en bas, machin. Et si je le mets là, ça va partir de ce côté-là. Ouais. Très bien. Bon. Karcha croque, là. On va le régaler. Je veux des flammes. Je veux directement des flammes pour Karcha. Et un peu de fumée. Parce que comme ça, il va me régaler. Ok. C'est pas fou. C'est à chier. C'est nul. C'est très nul. C'est très très nul. Hein. Là, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. On le fait quoi? Ah, oh, venez, on fait comme s'il pétait, lol. MDR le pète, le prout. Ah, oh, prout, il a pété. Trop marrant. Ok. Ah ouais, c'est vraiment le péteur, quoi. Trop stylé. Regardez, il pète. Regardez, il pète. Oh, excellent. Regardez, pour prout. Putain. Oh, mais vas-y, on le garde. Je confirme, c'est directement le prout. Et du coup, cette capsule a été choisie. Si j'en prends une autre... Ah, oh, c'était confirmé. Hop, on y va. Ça, c'est quoi? C'est de l'eau. Oh, stylé comme ça. Je confirme. Juste comme ça, j'aime bien. Ok. Les étoiles, c'est comment ça? Oh, c'est nul. Oh, les étoiles, c'est nul à chier. Les cœurs. Oh, c'est mignon, des petits cœurs. Petits cœurs comme ça. Ouais, petit cœur. Pour qui, les petits cœurs? Voilà, les petits cœurs. On va en mettre quelques-uns avec ça. C'est quoi, ça? C'est des fleurs? Oh, c'est des fleurs. Oh, les pétales. Oh, les pétales, faut les garder pour d'autres. Les petits cœurs, on confirme. On va juste rester très simple. Cœur pour Junpei. Junpei Miskin, oui, c'est vrai. Et les fleurs... C'est vrai qu'on a aucun Pokémon qui s'appelle Pompon. Hein. Là, je voudrais que de la fleur. Hein. Je veux de la team fleur, là, dans le chat. Je veux de la team fleur. Pas mal. Ok. Là, je pense que c'est pas mal. Voilà, toutes ces fleurs. Les fleurs de Pompon. Et il faut qu'on trouve un pompon, en fait, tout simplement. Ouais. Ok, nickel. Je pense qu'on est bon. Juste 4 capsules. J'en fais 6. Attends, on est si près du but. Autant faire les autres aussi. La team fleur est là. Buldo, j'ai mis ou pas? J'ai mis Buldo. Ce que j'ai pas mis, c'est un peu le fire, quoi. Et après, ah, le fire, il est pas... Il est énervé, mais si j'en mets pas mal, ça peut donner quelque chose d'assez violent, je pense. Oh, nickel. Ça pour Navaron qui arrive avec perte et fracas. Le feu, ça rend bien comme ça. Et un peu de Zikmu. Il y a des Zikos là dans le chat. Est-ce qu'il y a du Zikos? Ah, ça c'est une seule note. Voilà, on va monter en gamme, si je puis me permettre. Oh, quel jeu de mots, Gigi, tu connais la musique, toi, t'es un Zikos. Ok. Ouais, on est vraiment en train de custom de la Pokéball, là. Hein. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Hein. Ok. Parfait. Ça rend trop bien, comme ça. Et on confirme. On a nos 6 Pokéball. On va aller les distribuer. Alors, comment on choisit, du coup? Boîte aux lettres aux F. Il faut que j'aille sur les Pokémon maintenant. Et que je leur attribue une Pokéball ou pas? Non? Ou ça n'a rien à voir? Ou c'est random? Ah, il faut attribuer sur les capsules. Ok, j'ai été bête. Je me disais que ça avait pas de sens sinon. Je fais n'importe quoi. Donc là... Ah, oui, appliqué.
Donc ça, c'est le prout. Ah, le prout MDR, lol. Putain, trop la vanne. On l'applique. Ça, c'est l'eau pour Manu. Appliqué. Le cœur pour Jumpé Miskin, on a dit. On va pas le voir beaucoup. Hein. Appliqué. Ça, c'est... merde, c'est quoi, ça? Ça... Ah, les fleurs. Les fleurs, pour l'instant, on l'a pas. On va le mettre sur Gigi Ratina. Les fleurs pour la team Pompon. Les flammes, évidemment, sur Navarron. Et il restera Max Udan. Qui sera... Bah, ça tombe bien, la musique. C'est un oiseau. Un oiseau, ça chante. C'est beau. Franchement, on est dans le lore. Le lore est respecté, là, pour l'instant. Ah, mais on verra pas le prout. Mais on verra pas le prout. Ah, trop dommage, les amis. Pas de prout, ici. Faut qu'on voit. Qu'on voit ce que ça donne. En vrai, on est bien. On est sur quelque chose d'assez parfait. Je pense que... Putain, je saurais pas dire, ça me fait penser à quoi, ça. J'arrive pas à trouver. Jasmine, cette ville, je m'y sens un peu chez moi. C'est près de la mer, il y a un phare. Oh, si tu n'as pas le badge d'arène, tu vas devoir faire demi-tour. J'imagine qu'il faut que je passe par là. Oh, je vais mettre un max repousse. Péter un plomb. Ah non, le phare. Si, le phare, il faut que je passe par là ou pas? Il était en bas à droite. Je sais pas si je dois faire tout le tour ou pas. Baby Manta. Faut pas être par là, je vais aller vérifier quand même parce que... Je me pose la question. Oh non, j'ai mis la musique du vélo. Bon, c'est pas grave. Le phare. Donc là, on y était, le phare est là. Non, ben non, je peux descendre par ici, en fait, je pense. Exactement. Le phare panorama. Ok. Ding ding. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur le phare? Est-ce qu'il y a de la dingue? Qui est-il? Voici donc le dresseur qui veut conquérir la reine de Rivamar. J'ai pris ma décision. Si je te bats facilement, je me lancerai dans la ligue Pokémon, d'accord. J'ai fini la rénovation de l'arène, donc plus rien ne m'oblige à rester ici. Et par-dessus tout, je veux retrouver le plaisir de combattre. Je suis le champion d'arène le plus fort de Sinnoh, alors prépare-toi à prendre plein la vue. Ah d'accord, donc... Ah, on l'a convaincu comme ça. Eh ben dis donc. Ça marche très facile. Oh, c'est beau. C'est tout ce qu'on voit? Ah ben merci. Il a été convaincu, le mec. Je lui ai parlé, je suis convaincu. Je vais reprendre l'arène. Okay, bah, très bien, mec. Plus fort de Sinnoh, hein, ouais. Plus fort de Sinnoh, on va voir. Grâce à ses jumelles, j'ai l'impression que les contrées les plus lointaines sont à portée de main. Je j'irai aussi loin, j'emmènerai des Pokémon. Ouais, les marins, ouais, casse-toi. Ne parle pas. Oh, bordel, la ligue. On dirait une église, quand même, mesdames et messieurs. Hein, on va pas se mentir. Bon, écoutez, le dernier champion d'arène. Voyons voir. Je ne sais pas quel type de Pokémon il utilise. Mais je sais que je suis niveau 50 avec Alderaan. Théoriquement, je vais le laver, je pense. Franchement, les champions, j'ai jamais été inquiété une seule fois. Je sais pas si vous vous souvenez. Pas été inquiété une seule fois. Où est l'arène? C'est pas ici. Ça doit être... je sais plus. C'est là? Non, c'est pas là. C'était à gauche, je crois. Ouais, c'est là. Et l'artiste, ça y est, il est revenu. Et il a plutôt l'air de bonne humeur. Je crois qu'il a tout de suite vu. Ouais, d'accord, il doit être un mets le feu à l'arène. Bon, et encore que lui, il est beaucoup plus fort que le champion d'arène. Il faisait le beau en mode je suis le plus fort de Sinnoh. Si lui fait partie de la ligue Pokémon, c'est que c'est déjà un crack, je pense. Déjà un petit crack. Allez, let's go. Let's go! La musique que tu cherches, c'est pas Mamma Mia de... Putain, c'est peut-être ça. Hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100%. Je peux pas dire. Ok. Ah, d'accord, faut que j'aille de ce côté-là. Ouais, d'accord. Mamma Mia. Ouais, c'est vrai, ça va être extraordinaire. Arriveras-tu jusqu'au champion d'arène, tu le crois vraiment? Alors, bon, j'imagine que c'est électrique. Si c'est électrique, il est mort.
Ouais, malheureusement, fin de rêve hein, pour lui. Oh, Alderiat, il a pété. Prout, Alderiat, lol. Terminé, c'est terminé. C'est terminé, messieurs, dames. Tunnel dans sa mère. Ah, c'est Mamma Mia, je pense, ouais. Merci en tout cas à The Tanou hein, pour le resub. Salut Gigi, comment ça va? Ça va très bien, ça va super bien. Merci à Gatien aussi. 14e mois déjà. Tout va très vite. Tout va très vite. Alors. On est sur une autre énigme. Qu'est-ce qu'on a là-haut? C'est quoi ça? Faut faire quoi? Ça tourne. Ah, d'accord. Ah oui, effectivement, effectivement. La vanne est totale, la vanne est réelle, ouais, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Waouh, l'énigme est folle. L'énigme est là. Toujours mieux que celle de Carmin sur mer dans la poubelle là qui m'a cassé les couilles quand j'étais gamin. Non, ce sera rien de bête, hein, je pense. Ouais, non. Non, non, non. Merci FlameJ pour le sub. Non, Magneton, jure Magneton. Oh non, il va me détruire Magneton, il est trop fort, gros, putain, qu'est-ce que je vais faire? Oh non, elle utilise vitesse plus. Il va aller trop vite, putain, non, Magneto. Ah, je suis abattu, les gars. Putain, il va plus vite que moi, du coup, maintenant. Oh là là, il va me tuer, quoi. Il va me tuer. Oh non, je l'ai battu, froid, j'ai eu de la chance. Vraiment eu de la chance. C'est fini. Bravo à toi, JP. Hein. JP, comme on l'appelle dans le milieu, hein, Jean-Paul. Prénom improbable hein, pour le skin du mec, mais soit. Ok. Lévitation, no. Ouais, moi, j'étais persuadé qu'il évitait, mais on en a déjà parlé lors de précédentes VOD et ce n'est pas le cas. On est déjà à 50 minutes de VOD et au final, on va juste pulvériser la dernière arène. Alors, tiens, je vais lui mettre un peu de tunnel. Les fameux Jean-Paul japonais, oui. Après, ça, c'est bien entendu, c'est l'adaptation française, c'est logique. C'est comme Rachid Kogo, Coco. On a quoi? On a Rachid, on a souvent Omar, Scout Omar veut se battre. Vraiment au Japon, il n'y a pas beaucoup de mecs qui s'appellent Omar. Omar. Non, j'ai jamais vu ça, moi perso. Ah. Watashi no namae wa Omar des. Ah, hi, hi. Arigato gozaimasu. Itadakimasu. Non, pas des masses. Omaru. Omaru-sama. Ah putain. Omar coach. Même si de l'éviter, il craindrait le feu. Ouais, non, mais oui, dans tous les cas, c'est... Dans tous les cas, c'est un no-match, hein, là. Y a rien, quoi. Y a rien qui va, il envoie des Luxio, on lui casse la gueule. Oh, le level 2 du train de hype, c'est hallucinant, là, ce qu'on est en train de produire. Waouh, waouh. Oh, le Vantardise, il a tenté. C'est ma strat, ça, Vantardise, mec. Omare wa mou shinneiru. Tout fonctionne avec Omar. Allez. Johnny. Putain, désolé Johnny. Envie de rejoindre Papa Johnny. Pourquoi il y a un Pikachu? Ah, c'est un Pokéfan, non? Un détraqué, là. Ouais, voilà. Oh, le nombre de Pokémon qu'il a, mais quelle lourdeur quoi. Allez Pikachu, c'est parti. Dracogriffe. Oh la ruse, pas mal hein. Ah chier, encore un Fury. Need backup, approuve. Ok, on y va. C'est du bon Pikachu. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer Pikachu? Abated. Ils ont la rêve. Ah, ça va être que du one shot. Pas de bashing, gars. Pas de bashing sur ça, s'il vous plaît. Un peu de. Put some respect. Ah oui, Angèle. Ah oui, oui, d'accord, Angèle. Tout, j'aurais tout oublié. C'était ça. Balance ton quoi. Balance ta mère là. Laisse-moi aller voir le champion d'arène. Tu me crasses les couilles. Non, on va rien faire.
Eh oui, mesdames et messieurs. N'oubliez pas d'ailleurs, j'y pense maintenant, profite de cette petite VOD, mais ce week-end aura lieu un magnifique événement organisé par le vieux monsieur MV Spidon. Spidon ! Pour la charité, évidemment, la GDQ française. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je crois que ça commence demain, donc vendredi à partir de 17h. Moi, je serai en react, évidemment, mais après le react, on ira faire un gros raid sur la chaîne pour aller voir tout ça. La GDQ, ouais. C'est vrai que j'ai pris statique. On a dû enlever. Oh, Raichu, là, qui fait la diff. Oh, la vive attaque. Bien vu, ça. Pff, les dégâts. Mon week-end speedon plus montage. Ouais, ça va être très cool. Ça va être très cool, mesdames et messieurs. Et c'est terminé. Level 47, pas mal. Ouais, mais... voilà, trop fou, quoi. Tu connais. Peux rien faire face à tunnel. Regrette pas, moi, d'avoir appris tunnel. Ça, vraiment, ça régale. Allez, John. On a eu Johnny, on a John. Je dois avoir de l'antipara sur moi, j'ai la flemme de retourner au... médicaments, anti-brûle, antidote, réveil, j'ai un total soin, rappel, guérison, fer... Bon, on n'a pas, mais en B, je dois avoir quelque chose. La paralysie, ouais, exactement, la B-cerise, évidemment. Alors... Ah, l'énigme s'intensifie un petit peu. Oh, d'accord, donc là, mon personnage, d'accord, insensible à l'électricité. Bien trop fort. Il est bien trop fort. Est-ce que je passe d'abord par là ou par là? C'est déjà remonté, ouais. Je pense qu'il faut ensuite faire ça. Ensuite, il faut aller voir lui, monter en haut à gauche. Très bien. Challenge sans Aldé, le champion. On verra, on verra. Foutez-moi la paix. Ah, Electek. Du coup, le champion, il doit avoir peut-être Elecable. Ce qui serait très stylé. Bon. On verra le champion s'il nous surprend. Je pense pas, je pense pas. Je pense pas qu'il me surprenne, en vrai. Aldé fait trop la diff ici. Vraiment, on a... Je vous jure, Karchakrok, c'est vraiment le meilleur choix. Le meilleur choix de Pokémon. Déjà parce qu'il a un flow de fou, mais parce que c'est trop fort. Des stats de fou furieux du Pokémon, c'est hallucinant. Il va te surprendre. Ah, il va me surprendre, ok, très bien. Je vais être très surpris. J'ai hâte. Non, il va résister ou pas? Ah non, dommage. C'est super efficace. Voilà, Raichu, on rentre à la maison. Zéro surprise. J'imagine. C'est quand même fou, hein, que ce soit le dernier champion qui sera très certainement le plus simple. Des étincelles! C'est cru dans ce mélange Warleman. J'envoie Luxio ce Pokémon absolument éclaté face à Aldé. Boum! Séisme. En plus, je fais séisme, je suis même pas obligé, quoi. Petite ventardise peut-être à tester. Mais non, parce que je peux même pas. Parce que vu qu'on a pris Giratina, on va sortir du Giratina si vous voulez. On va sortir du Giratina, je pense. Allez, vas-y, on va changer un peu. On va voir les pétales. Les pétales de fleurs. Ouh, Giratina. Une petite pression, Dracogriffe, Balombre peut-être. Du coup, ce qui fait que, blague à part, Giratina sans l'orbe, c'est pas si ouf, c'est ça? C'est juste ok, tiens. La fraude en action, putain, mais tu le détestes. Genre, Man, depuis tout à l'heure, il est vraiment en mode, il mène une croisade contre Giratina, quoi. C'est juste un tank, c'est, ouais, c'est défensif. Ah, ok. Ok. Et avec l'orbe, ça devient insane ou quoi? Ça devient le fraudeur. Le frotteur même du métro. C'est ouf en défense, d'accord. Après, c'est vrai qu'il a 204 HP, quoi. C'est quand même un mec un peu énervé. Ça ne me sert à rien. Il faut faire ça ici. J'imagine qu'ensuite, il faut aller là-bas. Il faut aller faire le dresseur. Ouais, arrête. Il reste un dresseur ici, donc je vais juste faire ça.
Non, on peut pas y aller. Oh là, je suis un bouffon là, parce que je pouvais aller. Ah, quoique. Non. On va juste faire ça. Est-ce que comme ça, je peux descendre? Non. Je peux pas descendre. Là, je peux descendre. Magnifique. On roule orbe, retire 20 de def et d'esp et ajoute 20 d'AD et d'AP. Ouais, d'accord, ok. Donc forcément, on change. C'est comme s'il était dans une autre stance, en fait, quelque part. Ouais, c'est pour ça, quoi. Bien, wesh l'énigme. Ah, merci, Troufou. Bah, ça a été bossé, hein. C'était bossé avec, avec mon coach. Putain, même Dracogriff, je lui casse la gueule, quoi. C'est hallucinant. Il est statique ou pas, le chien? Magneton, vas-y, on va changer. Magneton, on va pas le respecter avec... Oh, Navarron qui est niveau 44. Ouais, en vrai, c'est Aldé hein, qui est bien devant, mais les autres sont un peu en retard. Hein. Navarron, là... Navarron qui hurle un peu, si je puis me permettre. On a Roue de Feu. Ah, on avait Close Combat qui marchait aussi. Mais Roue de Feu... Roue de Feu, c'est assez sympa. Je sais pas si ça va le tuer. Ça le tue. Coup critique. Bon, il chie à la gueule. Allez, tu dégages. En vrai, ouais, Aldé, c'est un Pokémon légendaire. C'est un légendaire. Ah, Danse Flamme. On prend tous les jours Danse Flamme. Par contre, par rapport à quoi? Parce que Danse Flamme, ça a combien de puissance? Non. Ok, non, pas ouf. Ok, ciao. Ouais, ça pue. De Danse Flamme, c'est bien le truc qui met dans un tourbillon de flamme et ça brûle et c'est tout, non? Enfin, ça brûle. Il se prend des dégâts par tour. C'est celui-là ou pas? Je sais pas du tout. Ah, c'est de la merde. Ok. Ouais, bah, Osef. Osef, du coup. Du coup, est-ce qu'on doit faire ça? Ça. Ça. Ah non, fallait que je redescende, peut-être. Suis-je idiot? Donc on va faire ça. Da-da-da. Voilà. Est-ce que ça passe par ici? Ouais, c'est ça. Bah c'est parti. On va lui casser la gueule. Ouais, l'énigme était assez difficile. Ouais. Je vous avoue que j'ai dû me concentrer un petit peu. Alors, on est parti vers... Oh, pff, déjà, ça coupe. C'est vraiment... C'est le père de Naruto, mais après le vaccin, quoi. Oh, jure, Voltali. Voltali, ça me fait mal ce que je vais devoir lui mettre, mais. Parce qu'il a un flow de ouf, mais je vais le tuer avec tunnel, hein, parce que je ne le respecte pas. Ah, c'est Minato, quoi. C'est Minato après le, après le vaccin. Pas de bête, allez-y, vous pouvez bête. Vous pouvez bête. Ça va vous permettre de faire un peu de thunes. Je pense qu'il y a personne va. S'il n'y a pas un mec qui va. Le bête de fou, quoi. Enfin. La cote, elle est à 0,00001, quoi. Petit niveau 51. Allez, on va se mettre un peu de difficulté. Un peu de difficulté. Allez, Luxray qui est envoyé. Allez, on y va. On va tenter. On espère que ça va bien se passer. Oh, des petits cœurs, hein. Allez, June. C'est ton moment. 2 millions 1 contre 26 000, gros. Ça me termine. Ok, tu peux le faire. Oh non, Crogivre. Oh, c'est bon, il va résister. Nice. Oh non, coup critique, putain. Dommage. On espère qu'il va y arriver. Maxi Dan, j'ai pas envie parce que le bonheur. Le bonheur, c'est quand le bonheur. Venez, on prend même Manu. Manu. Ok, Manu, tu peux le faire. Crogivre. Ouais, bien joué, Manu. Il va le geler. Zéro, c'est de la merde. One shot ou pas, vous pensez? La réponse est évidemment oui dans le chat. Évidemment. Bon, allez, on va reprendre Aldé. Vous inquiétez pas, hein, je vais win. Hein. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Pour les gens qui peut-être en doutent, il n'y a aucun moment où on est inquiété. Hein.
Et c'est parti. C'est parti. Il va résister? Ah non, il résiste pas, putain, bien joué. C'est grâce à l'aide de Manu, ça. Comme ça, on va prendre un maximum d'XP en solo, là. Et les cables. Oh, il a les cables. Et les câbles. C'est vrai qu'il a un vrai flow. Et les cables. Oh, la vieille attaque. Ouf, les dégâts. Oh, j'espère qu'on va réussir, les gars. Je suis désolé pour tous ceux qu'on bête, mais... On va le faire. Let's go! Oh, le coup critique qui nous sauve. Oh, merci, merci LD. La cote est à 1,02. Rendez-vous compte, quoi. Et j'aimerais quand même qu'on remercie les gens qui sont sacrifiés et qui ont voté il va perdre. D'accord? Je sais même pas qu'est-ce qu'il prend, mais sur Raichu. Trop de flex. Bah, je flex. C'est vrai que je flex un peu. Je flex un peu aujourd'hui, mais. C'est un massacre. Un massacre. Pas de quoi. Il y a des gens qui sont sacrifiés. Merci à Flo21, merci à Elf Omnivore, par exemple, là, dans le chat. Merci à Zubi, Zubi, Zubizi. Des amis, vous pouvez... ouais, on a gagné, voilà, tout simplement. Merci pour le sub, et le sub. Quelle vie, mesdames et messieurs. 6000 Pokédollars. Ah, je ne m'étais pas autant amusé depuis. Ah, je ne me souviens pas, je suis curieux et pressé de voir jusqu'à quel sommet toi et tes Pokémon allaient grimper. Voici ton 8ème badge d'arène. Tu l'as bien mérité, Jiraiya. Obtient le badge phare de Tanguy. Let's go! Le Rap God. What the fuck, my wife? Ce badge phare te permet d'utiliser la capacité cascade même quand tu ne combats pas. C'est indispensable si tu veux te lancer à l'assaut de la ligue. De plus, maintenant que tu as les 8 badges, tous les Pokémon t'obéiront, messieurs dames. Plus 100 points, plus 55, plus 16. Ah, voilà, ça se régale. Plus 200, quelle aubaine! Quelle aubaine! Enfin, en même temps, vu la cote, les gars, c'était assez logique. On a eu la CT 56 à l'heure, on a la 57 cette fois-ci, qui correspond, je ne sais pas à quoi, à rayon chargé. Quand elle réussit, elle te permet d'augmenter l'attaque spéciale. RAF, mon ref. Vraiment. Attends, je peux pas quitter l'arène d'un coup d'un seul, là? Je suis en train de réfléchir, il n'y a rien pour s'en aller. Non, pas l'impression. Pour partir. Oh ouais, c'est chiant. Non, c'est bon, tout est prévu. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Ok, l'énigme. L'énigme de malade. Allez les amis. Ouais, c'est ça, hein. Mamma mia, et da 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 da, la la, ouais putain je me fais pipi, mamma mia, j'ai envie de peps, le bout. C'est ça, c'est littéral, c'est vraiment ça quoi, c'est un truc, oh, pardon excusez-moi le DMC, je suis un malade gros, je vais me faire strike vu que je chante trop bien les gars. Je chante extrêmement bien, frérot. C'est les vraies paroles, hein, c'est la traduction. Hein. L'adaptation française, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Mamma mia. Just envie, Murphy Peps. Les vraies paroles. On sauvegarde ici, évidemment. Nous sommes à 1h07 des records sur cet épisode 24 en direct du centre Pokémon de Rivamar. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous sub, enfin vous abonner à la chaîne. Vous sub aussi, faites des subs si vous avez envie. Le petit commentaire qui fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut!